Ces deux derniers mois, j'ai participé à deux compétitions de force athlétique. D'ailleurs, je vous ai partagé ça sur YouTube, c'est mes dernières vidéos. Et si vous n'avez pas vu... Bombastic side eye. Je suis très déçue. Je suis vraiment hyper déçue. Résolution 2024 pour vous, regardez mes vidéos et s'abonner et mettre des commentaires et des j'aime. Merci. Non, en vrai, plus sérieusement, j'ai eu beaucoup de DM de personnes qui me demandaient comment s'inscrire et tout. Et d'ailleurs, il y en a certaines, je vous ai répondu. Je me souviens d'une fille qui m'avait demandé et j'avais pris le temps de lui répondre. Mais bref, aujourd'hui du coup je vais vous expliquer comment s'inscrire aux compétitions, comment participer. Parce que moi au début, quand je voulais faire des compètes, j'étais perdue, mais perdue. Je comprenais rien, je comprenais rien du tout à comment on s'inscrivait. C'était le bordel. Donc si c'est votre cas là tout de suite, ne bougez pas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais tout vous expliquer de A à Z à comment ça marche, comment on s'inscrit, parce que moi je comprenais rien. Voilà. Donc on est parti, ouvrez bien grand vos oreilles car il faudra être attentif. Déjà avant de faire quoi que ce soit, la première chose à faire c'est de déterminer dans quelle catégorie on est. Par rapport à notre âge, par rapport à notre sexe, mais aussi par rapport à notre poids. Parce qu'il y a différentes catégories. Par exemple moi je suis en catégorie junior en moins de 69 kg et je concours avec les femmes. Parce que je suis une femme, voilà. Peut-être, je sais que beaucoup de personnes dans les commentaires disent que je suis un homme, mais non, désolée de vous décevoir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en premier, on a les catégories d'âge. Il y a la catégorie sub-junior, junior, open et senior. Si tu as entre 15 et 18 ans, tu seras en catégorie sub-junior. Si tu as entre 19 ans et 23 ans comme moi, tu seras en catégorie junior. Et ainsi de suite, si tu as plus de 24 ans, tu seras en open. Et après, tu as aussi la catégorie master, etc. Je te laisse faire tes calculs dans ton coin pour savoir dans quelle catégorie d'âge tu es. Après, il faut que tu choisisses ta catégorie de poids. Moi, vu que je fais moins de 69 kg, je suis en moins de 69 kg. De toute façon, sur le site de la FF Force de la Fédération, tout ce que je dis là, tu peux retrouver, tu as toutes les catégories, donc tu pourras tout retrouver là-bas, je mettrai le site en description de vidéo. Et après, du coup, la catégorie de sexe, si t'es un homme ou si t'es une femme. Petit conseil par rapport aux catégories de poids, je sais qu'aujourd'hui, les performances sont de plus en plus impressionnantes et qu'on serait amené à vouloir perdre du poids pour descendre de catégorie et avoir une chance d'avoir sa place. J'ai failli faire l'erreur, mais personnellement, ça sert à rien de se stresser pour une première compétition avec une perte de poids ou de descendre d'une catégorie. Je dis ça parce que moi j'ai failli faire l'erreur, je voulais être en moins de 63 alors que j'ai un poids de forme autour des 67 kg et je m'étais dit ah mais au moins j'aurai un meilleur niveau tout ça parce que j'ai plus le niveau des moins de 63 et j'aurai plus de chances de gagner. Pour une première compétition ça sert à rien. Le mieux c'est donc de rester dans la catégorie de poids dans laquelle tu es actuellement. Parce que si tu commences à stresser avec une perte de poids, surtout que perte de poids et force, c'est pas très lié. Mais mieux que tu prennes le temps de bien construire tes muscles, de bien manger, de bien optimiser ta force et après de réfléchir à ta caté, plutôt que de dire bon bah direct faut que tu perdes du poids pour une première compétition, c'est pas le mieux je trouve. Ça crée beaucoup de stress, tu risques de perdre aussi en performance ou tu risques aussi, même pire, d'arriver à la compétition et de pas être au poids. Et dans ce cas-là, bah, y a des compétitions où tu pourras pas participer, tu seras venu pour rien. Sauf si bien évidemment c'est une compétition à l'indice, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de catégorie le jour J pour la peser. Vu que c'est un indice, c'est pas grave si tu dépasses, tu seras juste en catégorie au-dessus quoi. Normalement c'est bon, tu connais ta catégorie, n'hésite pas à me dire dans le commentaire dans quelle catégorie tu es, ça m'intéresse. L'étape d'après, ça va être d'obtenir sa licence. Pour concourir en compétition, il faut une licence. Pour obtenir ta licence, tu as deux cas de figure. Soit tu es inscrit dans une salle de force qui est affiliée à la fédération, et dans ce cas-là, tu pourras prendre une licence compétition dans ta salle, qui est à 50 € en moyenne à l'année. Ça va te permettre du coup de t'inscrire en compétition. Ou alors, si t'es pas inscrit dans une salle qui est affiliée à la fédération, tu peux prendre une licence individuelle qui est à 120 € à l'année. Moi personnellement, c'est ce que j'ai pris cette année, parce que au moment où je vais m'inscrire à mes compétitions, je connaissais pas de salle qui proposait de licence, donc j'ai dû prendre une licence individuelle. Ou alors, il y a ce qu'on appelle le TPU, titre de participation unique, qui est à 30 €, et du coup, ça c'est juste pour t'inscrire à une seule compétition, contrairement à la licence où tu peux t'inscrire à toutes les compétitions que tu veux. Personnellement, je conseille de prendre la licence compétition dans une salle affiliée à la fédération, ça restera moins cher, mais si tu peux pas, comme moi je pouvais pas à ce moment-là, bah il y a la licence individuelle, mais du coup c'est plus cher. C'est bon, t'as ta licence, maintenant, comment on trouve les compétitions, comment on sait qu'il y a des compétitions? Moi, je sais que je suis sur Insta, par exemple,
tout ce qui est Fédération Française de Force, ou alors toutes les fédérations qui sont autour de chez moi, par exemple la Fédération Île-de-France, parce que j'habite en Île-de-France. Comme ça, je suis au courant de toutes les compétitions et toutes les dates qui arrivent. Je te recommande vivement de faire ça. Après, t'as aussi le site de la Fédération Française de Force, où il y a aussi du coup toutes les compétitions qui sont indiquées, mais c'est mieux de suivre sur Insta, je trouve, comme ça t'es vraiment au courant vite. Surtout que t'as des dates précises pour t'inscrire et les inscriptions elles se clôturent assez vite, donc c'est bien d'être le plus rapidement au courant quoi. Une fois que tu as trouvé à quelle compétition tu veux participer, tu vas sur le site de la FF Force, tu te crées ton espace, et quand tu es dans l'extranet, tu vas dans le calendrier fédéral. Et normalement, il y aura du coup ta compétition qui est indiquée et tu pourras t'inscrire si les inscriptions sont ouvertes. Il y aura bien évidemment un formulaire à remplir avec ton nom, ton prénom, ta catégorie, si t'es en junior, si t'es en sub-junior. Et il faudra payer les frais d'inscription. Par exemple, ma dernière compétition de développé couché, c'était 15€ ou 20€ la participation. Chose très importante à vérifier avant ta compétition, c'est de vérifier ton équipement. Que ce soit tes bandes poignées, ta ceinture, tes genouillères, enfin bref, tout l'équipement que tu utilises, il faut que ton équipement soit homologué IPF. Par exemple, sur ces genouillères, on peut voir le petit logo IPF Approved. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton équipement n'est pas approuvé par l'IPF, eh ben, tu pourras pas l'utiliser lors de ta compétition. Et ça, tu pourras pas y échapper parce que juste après, t'as pesé le jour J de ta compétition, on fait une vérification de ton matériel. Et ça, c'est pas que sur du IPF approved. Par exemple, si ta ceinture, il lui manque un cran, ou si tes bandes poignées, elles sont complètement explosées, bah, ça passe pas en compétition. Donc, vérifie bien à l'avance que ton matériel soit bien homologué. Comme ça, t'as un petit peu de temps pour racheter du matos. D'ailleurs, moi, que ce soit genouillère, bande et ceinture, c'est du SBD. Moi, je sais que mon premier matériel SBD, j'avais acheté sur Vinted, pour tester un peu les tailles, tout ça, et pas pour acheter du neuf parce que ça coûte un certain prix. Donc va voir sur Vinted vraiment, parce que des fois il y a des gens qui changent de matos, il y en a qui arrêtent la force, donc il y a très régulièrement du matos sur Vinted. Vraiment, je te recommande vivement. Et si tu utilises aucun équipement, il y a que de toute façon le singlet qui est obligatoire en compétition. Le singlet, c'est la petite tenue là. Dans tous les cas, je vous mets un lien en description pour tout ce qui est IPF approved par rapport aux équipements, vous inquiétez pas. Et une fois que tout ça est fait, tu n'as plus qu'à commencer ta prépa et tout déchirer en compétition. J'espère que si vous étiez un peu perdu pour vous inscrire maintenant, vous savez grâce à cette vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo à tes potes qui veulent s'inscrire mais qui connaissent rien et qui sont perdus comme moi je l'étais avant. Bien évidemment, dans cette vidéo, je parle dans le cadre de compétitions qui sont qualificatives. Il y a des compétitions qui sont pas qualificatives et il n'y a pas tout ça à voir. C'est pas obligatoire tout ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je répondrai. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos par rapport à la force athlétique, n'hésitez pas, parce que je deviens très active sur YouTube, voilà, 2024, on est motivé. Et abonnez-vous là, mettez des j'aime, tout ça là. Ok.